herzlich, unbedenklich, Spektrum. Ich muss ihn, wie gesagt, nicht vorstellen. Fefe. Bienvenue à la traduction de Fefe aujourd'hui sur le continuum utilisable et on n'a pas besoin d'y penser. Bonjour, ça fait plaisir que vous soyez là. C'est jour 2. Donc, alors il faut que je fasse un peu gaffe parce que l'an dernier j'en avais prévu un sur la minimisation de TCP, c'était un petit peu technique. Ce qu'on peut faire en tant que programmeur pour. Mais personne ne le voulait pas. Enfin, personne ne le voulait, et je sais. Et donc, je l'ai reproposé cette année, et personne ne l'ai pas. Et donc, j'en ai proposé un deuxième, juste pour voir, pour montrer que je voulais pas les embêter. Et c'est la deuxième qui a été acceptée. Et donc, il a fallu que je prévoie ça en vitesse. Donc, ça a été préparé très rapidement. J'espère que ça va quand même aider. Donc, je vais simplement commencer. Il y a plusieurs façons d'arriver au même résultat. Donc, ça a commencé dans ma carrière. J'ai décidé que je n'écrirais jamais de programme dont des vies dépendent. Donc, par exemple, des centrales nucléaires ou des choses pour la médecine. Et ensuite, j'ai rencontré quelqu'un qui disait, qui programmait pour les, justement pour les. Pour les centrales nucléaires, qui disaient bah, c'est pourtant bien sympa. Et tu prends machin et ensuite tu fais ça. Et si les gens qui font ça ne connaissent pas leurs propres limites, c'est un petit peu problématique. Et donc, oui, il y a des gens qui sont comme ça et bon, voilà. Donc, ce que je trouve problématique, c'est qu'on apprend la programmation de façon explorative. C'est pas quelque chose qu'on apprend d'un coup. On cherche les limites et. Donc, par définition, on ne connaît pas encore les limites qu'on a. Donc, c'est-à-dire que les gens arrivent toujours à leur limite, ils travaillent toujours à leur limite. Quelqu'un qui écrit du logiciel, il écrit aussi loin, il va aussi loin qu'il pense qu'il peut aller. Et donc, c'est-à-dire qu'en conséquence, c'est généralement des trucs qui ne sont pas complètement compris, c'est juste. C'est juste les technologies que la personne vient de comprendre. C'est un petit peu le problème. Et ça va être encore renforcé parce que c'est une dépendance. Et donc il y a des modules de 3/3 qu'on apporte. Et donc on pense que le tiers sait ce qu'il fait. Sauf que c'est exactement des gens qui eux aussi travaillent de façon explorative. On peut aussi y penser lorsqu'on fait un Gedanken Experiment. Quelqu'un trouvait un moyen de mieux gérer la complexité, par exemple de modulariser. Donc, et on espère que le logiciel qu'on écrit avec. On fait mieux. Et qu'est-ce qui se passe? Nous écrivons des logiciels qui sont encore plus gros, au lieu d'écrire des logiciels qui sont plus simples. Donc, je pense que ce n'est pas un problème de la programmation, c'est un problème avec les hommes. C'est la façon dont on a évolué, donc il faut qu'on apprenne à gérer ça. Et donc, je vais prendre une théorie que j'appelle la théorie des gradients. Donc, la thèse, c'est que les gens utilisent leur environnement comme un endroit à optimiser. Et donc, ils cherchent le meilleur point, un optimum. Et donc, quand on ne connaît pas l'environnement, on va chercher. Et donc, on voit ça. Et donc on voit ça, par exemple, lorsqu'il fait trop froid, on va au chauffage et puis on va régler le chauffage, pas vers juste ce qu'on veut avoir, mais vers super chaud. Et ça fonctionne aussi pour les voitures, ça fonctionne quand on a une carte, on va regarder jusqu'où est-ce que je peux aller avant de devoir tourner. Et on apprend, et donc on ignore le chemin jusque-là. Alors qu'il pourrait être très bien. C'est pareil pour le choix de la vitesse, on accélère jusqu'à ce qu'on ne se sente pas bien et ensuite on freine. Ou alors lorsqu'on cherche un
dans un annuaire, on va chercher, on va ouvrir un endroit où on pense que ça va passer, et ensuite on recherche, on se rapproche. Sur une carte, ça va ressembler à ça. Donc on cherche, on descend, on essaie de chercher le point le plus profond, par exemple. Mais dans certains moments, ça ne fonctionne pas. Donc, lorsque je ne peux pas revenir, et ça ne marche pas non plus lorsqu'il y a des endroits où on ne peut pas revenir. Et donc, ou lorsqu'on ne peut pas revenir, pour une raison, surtout dans les logiciels, ça existe. Et donc, ce sont les problèmes que les gens ont. Donc, lorsqu'on a comme deux semaines d'abonnement d'essai, on oublie de se désabonner. Ou alors, la dépendance au jeu. Et généralement, on a déjà suffisamment investi, on ne va pas arrêter maintenant. Donc, les gradients, c'est la sécurité, ce n'est pas un gradient. Ça n'est pas, il n'y a pas de graduation. C'est un énorme problème. C'est un énorme problème de la sécurité informatique. C'est que qu'on est allé trop loin, on s'en rend compte juste quand on a été hacké, et ça, on ne peut pas le faire en arrière. La complexité, c'est un petit peu comme la sécurité, puisque c'est pareil, c'est pas graduel, mais même on pense qu'on a tout sous contrôle, jusqu'au moment où on n'est plus sous contrôle, mais parfois on remarque beaucoup plus tard. C'est par exemple rendre des données, c'est un pseudo-gradient, c'est aussi pareil, un pseudo-gradient. Quand on remarque qu'on a trop donné, c'est trop tard. Donc, la conclusion, c'est que la complexité, c'est méchant. Et donc, on est trop léger avec. Et donc, il faut faire quelque chose contre. Lorsqu'on fait ça de façon professionnelle, on externalise. On va retrouver relativement peu de vieux développeurs. Donc ça, c'était la première pensée qui m'est ramenée. La deuxième, c'est le manifeste GNU. Bon, c'est pas du GNU bashing, mais c'est un bon exemple. Donc c'est la première publication sur le GNU de Stallman qui disait on va faire du Unix et on va faire du Mac et on va faire tout ce qui est pratique. Et ça, c'est une phrase qui est horrible. C'est pratique pour qui? Ça veut dire quoi, cette partie-là? Et ça, c'est un problème que beaucoup de gens ont. Ah tiens, on pourrait faire ça en plus. Et donc, ce qui manque, c'est qu'il y a une correction. C'est-à-dire, et qu'on ne sait pas, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et donc, ça, c'est le péché original qu'on a fait dans le développement. On l'a tous fait. Et on ne peut plus le corriger. C'est la seule façon de s'en débarrasser, c'est de balancer le module, tout arrêter et puis de recommencer à zéro. Sauf que le logiciel, ça ne s'arrête pas. Je me suis aperçu, lorsqu'on parle de logiciel, la seule chose qui aide, c'est que les hommes meurent. Donc, et que justement, c'est quelque chose qui ne se passe pas. Et c'est une feature qui n'existe pas. Et donc, du coup, le logiciel, c'est pour toujours. On remarque aussi quand quelqu'un veut rajouter. Donc, lorsqu'on essaie d'étendre le champ d'application d'un logiciel, est-ce qu'on va faire quelque chose de. On va résoudre un problème précis ou est-ce qu'on va essayer de faire quelque chose de plus général? Et on essaye à chaque fois de résoudre un problème générique. Et j'ai eu un moment, où j'utilisais GDB, donc je l'ai appelé CMT cette fois-ci, et c'était un checkout. Donc, dans mon propre web server, j'ai fait un GDB init. Donc, j'ai créé un fichier, c'est l'initialisation pour le GNU Debugger, donc où on écrit tous les paramètres de ligne de commande. Et donc, voilà. Et donc, on fait ça. Et GDB a commencé à dire, ce fichier, je ne l'utilise pas, je ne veux pas. Parce qu'il existe dans un fichier que tu n'as pas donné comme étant libre. Et donc ça, c'était un essai de GDB de corriger ça. Ils ont regardé que la configuration est suffisamment puissante que ça peut être un problème de sécurité. Et donc, du coup, il a essayé de verrouiller cette configuration.
Et il a embêté plus de gens qu'ils auraient pu faire ça de façon plus simple. Mais maintenant, c'est la première fois que j'ai vu ça, ça m'a vraiment, j'ai vraiment vu que c'était, bon, bah, ça fait bizarre. Donc la deuxième chose, c'était avec Vim. C'est un éditeur que j'utilise. Et on peut faire aussi rajouter des commentaires. Dans les trois premières lignes, on peut changer la configuration. On peut, c'est prévu pour faire, tiens, j'ai un tab de 4. Sauf que le parseur pour ça, il avait un problème de sécurité et on pouvait créer un fichier qui exécutait un programme lorsqu'on l'ouvrait avec Vim. C'était pas fait pour, mais ça marchait quand même. Donc ça, c'est le problème. Donc je viens de gueuler contre la généralisation, mais maintenant on va généraliser sur ce problème. Et donc un autre exemple qui est, nous avons un fichier CSV avec des tickets. Donc on va dire qu'elle ressemble à ça. Donc c'est du CSV. Et donc j'aimerais bien la somme du dernier fichier. Et donc je fais un cut, c'est du Unix, et donc il filtre. Donc la première, elle doit dégager. Ensuite on veut faire une somme. Donc ensuite on fait baisser. Mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y avait pas un mais Fred? Donc cut n'a pas de problème avec. Tel n'a pas de problème, PESP n'a pas de problème non plus, mais BC n'aime pas ça. Donc BC est programmable, et donc on pourrait faire la fonction Ackerman pour une révision. Ça pourrait prendre une heure avant de s'y vendre. Donc cut, tail et PESP n'ont pas de problème, mais BC peut être problématique. Mais c'est pas suffisant. Il y a plusieurs façons d'être non menaçant. Donc on va essayer. Donc un logiciel n'est pas dangereux lorsqu'il se comporte de façon prévue. Par exemple SHA-256 ou VC. Donc la sortie a un format connu. Donc on peut prendre aussi AVK. Et dans AVK, j'ai pas de problème lorsqu'il y a Fred ou Phil, mais il va pas interpréter la fonction. Ça fait mieux, mais est-ce que c'est pas dangereux? Et qu'on va s'aperçoit que AVK n'est pas forcément pas dangereux, puisque je peux aussi écrire, c'est-à-dire le code que j'envoie, je peux aussi créer des fichiers. Et donc là, on aimerait aussi avoir cette différence. Dans l'industrie, c'est un gros problème, surtout dans l'industrie des jeux, de mettre donc des interpréteurs, donc de la business logic, dans leurs jeux, des petits scripts, donc pour pouvoir faire des scripts dans une nouvelle. Et donc un des interpréteurs préférés, c'est Lua, et en fait, Lua est parfait puisqu'il ne peut rien faire avec, qui n'est pas débloqué. Et donc on peut rajouter derrière, mais c'est pas forcément un problème. On va pas trop penser, mais on va penser que c'est plus mon problème. Mais il faut qu'on y pense, et de préférence, il faut penser à ce genre de choses avant de livrer. Voilà une autre manière de voir la non-dangerosité des logiciels. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des sandbox. On essaye d'éviter qu'un programme détruise des données. BC pouvait le faire, AVK peut lire des systèmes de fichiers et ça continue. Revenons à notre manifeste GNU. GNU AVK, c'est une version particulière de GNU et elle peut accéder au réseau. Mais il n'est pas non plus. Il peut être dangereux. Ça continue. Après AVK vient Perl, c'est encore pire. Il peut eval.
Eval, c'est à peu près le pire qu'on puisse avoir dans un langage de programmation, à mon sens. Un autre exemple sont les plugins dans les navigateurs Internet. Netscape était dans ce cas. On a toujours utilisé l'utilité plutôt que la non-dangerosité. Il y avait aussi le plugin Acrobat. Tout ça, c'était vraiment de la merde. C'était toujours du code natif. Il pouvait faire tout ce que le système lui permettait de faire. Et c'était un choix conscient de la part des développeurs de browsers. J'essaye d'attirer votre attention à vous, programmeurs, qu'on ne peut pas simplement mettre quelque chose dans un programme qui s'autorise tout ce que le système lui permet de faire. Le JavaScript, c'est un peu pareil. Le JavaScript peut accéder à certains droits dans le système qui lui permettent de faire tout ce qu'il veut. Et souvent, dans les browsers, ça pose problème. Là aussi, il faut corriger en aval. On tombe toujours dans le même piège. Si vous utilisez Windows, dans Windows, il y a un outil qui s'appelle AutoRuns. Sa seule fonction est de lister les plugins qui sont dans le système. En voilà un exemple. Regardez le nombre d'onglets. Tout ça sont les différentes manières dont les plugins peuvent s'insérer dans le système. Et là aussi, il y a un choix qui a été fait, qui est allé dans la mauvaise direction. Mon quotidien en termes de sécurité. Je vais voir des entreprises et je dois chercher des bugs. Et après, je leur dis les bugs, quels bugs j'ai trouvé. Et le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de bugs. Les trackers de bugs sont d'énormes banques de données contenant des bugs et eux-mêmes ont des bugs. C'est aussi une stratégie des développeurs. Si le bug n'est pas important, je pourrais le réparer plus tard. Mais du coup, ce bug, il est quand même là. Les trackers de bugs sont réellement des endroits où les données se meurent, puisque les bugs restent très longtemps dans ces grosses banques de données. J'ai récemment découvert un bug dans Firefox. Son identifiant est le chiffre que vous voyez là sur la diapositive, et le chiffre est extrêmement élevé. Le premier bug que j'avais trouvé remonte à 2003. On peut voir, en regardant ces différents chiffres, que le nombre de bugs croît de manière exponentielle. Mais le bug que j'ai trouvé en 2009 a été corrigé. Quand il y a une nouvelle itération du logiciel, normalement, il faut corriger tous les bugs qui existaient avant. Voici une solution de Mozilla. Il est écrit ici, ce bug a été automatiquement résolu après une certaine période d'inactivité. En fait, ils ont simplement fermé le ticket que j'avais introduit. En fait, cela produit une cascade de comportements et de contre-comportements. Les bugs non importants ne sont jamais corrigés. Et donc tout le monde écrit que le bug qu'on a trouvé est important. Ça veut dire que les bugs importants restent aussi sans correction. Il n'y a que les bugs de sécurité qui sont prioritaires. Donc ça veut dire que tout le monde écrit que les bugs sont un problème de sécurité. Le
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une drôle d'alliance avec une autre tendance, c'est que les entreprises ont tellement de tickets de bugs ouverts que c'est absolument impossible de tous les corriger. Et donc, la métrique qu'ils utilisent, c'est le fuzzing, et en fait, ça devient impossible, parce qu'il y a tellement de bugs. Et puis alors, il y a des bug bounty, ce que personnellement je définis comme étant une connerie de relations publiques. Les entreprises vont vous dire, regardez, notre logiciel est super parce qu'il y a tellement peu de bugs. Et en fait, c'est faux. Il y a aussi la mitigation, les bugs sont tous encore là. Mais les exploits sont de plus en parce que les exploits sont de plus en plus chers. Il y a des effets secondaires. Petite anecdote, un jour, j'ai rencontré le type qui fait le triage des bugs d'Internet Explorer. Et ce type avait 30 ans et il avait vraiment l'air d'en avoir 60. Il m'a dit qu'il y a tellement de bugs qu'en fait on n'arrive même pas à tous les corriger. Entre-temps, ça s'est amélioré. Microsoft. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce ne sont que des exemples ici. Dans la plupart des entreprises, c'est la même chose. On gère les bugs, mais on ne les corrige pas. Une fois, Microsoft a déclaré qu'il y avait plein de bugs, même GC. C'est du use after free. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'ils mettent des choses dans une stack et ensuite, c'est plus tard qu'il va y avoir une possibilité de réutiliser ça. Et c'est la façon dont s'occupe Microsoft. Et les gens de Chrome ont regardé ça et ils ont dit « Oh, c'est super !» Donc, c'est la façon dont l'industrie fonctionne pour l'instant. Donc, ce qu'on voit, le problème, c'est que les bugs ne sont reconnus comme problème que lorsqu'il y a un exploit. Et donc, entre-temps, c'est à peu près standard. Quand on n'a pas d'exploit, c'est pas reconnu. Et donc, il n'y a plus que les problèmes qui sont connus. Et le reste, c'est juste là. Voilà. Et donc, en fait, le truc, c'est qu'il y a toujours des problèmes de sécurité, sauf que personne n'a envie de s'embêter à créer un exploit. Et donc, du coup, il y a plus de problèmes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de problèmes. Et il n'y a pas de développeur qui aimerait le mec qui a construit le pont de Gênes. Donc, ils vont aussi fixer au hasard. Voilà. Et donc, ça fait aussi plus de problèmes. Et donc, moi, ce que j'en conclue, c'est que de façon réactive, de réagir sur la qualité et sur les bugs, c'est pas une bonne idée. Je dis ça depuis longtemps, mais c'est ce que j'appelle l'huile. Mais il y a beaucoup de logiciels et on travaille, mais on y pense. On pense, ouais, on peut livrer le client teste, et ils vont trouver les tests, ils vont trouver les bugs et on va les régler. Donc ça, c'est donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on livre quand l'updater fonctionne. Et donc ça, c'est et donc mon cœur de cible, c'est les développeurs, et je leur demande, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc est-ce que c'est vraiment ce qu'on peut faire? C'est genre FDP. Donc non, le marché, ça n'a pas réglé le problème. Les gens achètent toujours Windows et macOS. Donc on peut essayer la version CDU, donc c'est plus centre droit. On appelle un appel à la morale. Ça fonctionne pas non plus. Et dernièrement, il y a le BSI, qui est donc l'Institut pour la sécurité informatique. Et donc, non, ça fonctionne pas non plus. Et directement, il y a Twitter, où on balance de la merde sur tout le monde jusqu'à ce que ça aide. Et en fait, ça donne du abandonware parce que les gens n'ont plus envie de s'en occuper. Ils disent, écoutez, je sais pas, moi, je m'en fous. Hein. Sinon, il y a
Il y a la solution hybride de l'Église catholique qui dit que Saint-Pierre va le régler. On appelle à la morale, mais on va aussi faire des confessions. Et donc, on va essayer. Donc, comment est-ce qu'on fait ça de façon concrète? On va essayer de... Est-ce qu'on peut différencier le développement exploratif du développement ciblé? Et donc, c'est donc donner du temps aux devs pour qu'ils puissent jouer. Comme ça, ils peuvent développer aussi. Parce que sinon, ils vont faire ça pendant le développement du produit. Et c'est de la merde. Mais je peux régler. Je peux en parler. Ça n'a pas encore aidé. Donc, en fait, sois innovatif dans ce que tu fais, mais pas dans la façon de faire. Une compagnie devrait être innovative, devrait faire de nouveaux produits, mais pas utiliser une base de données expérimentale, parce que c'était pas fini. Donc, je pense qu'il n'y a pas une seule cause. Donc il y en a une partie, c'est je ne savais pas que c'était de la merde que j'ai importée, ou je ne sais pas comment faire mieux ça, donc je ne l'ai pas fait bien. Et il y a la deuxième chose aussi, c'est que je l'ai fait mettre, donc c'était, je ne le savais pas, mais on savait qu'on ne savait pas, je n'ai pas trouvé les bonnes personnes, donc je l'ai fait quand même. Voilà. Donc je pense que c'est juste une mauvaise excuse, mais on n'a pas pu faire ça différemment, on n'a pas que des bonnes gens, donc le produit n'a pas été suffisamment bon. C'était pas de notre faute. Je trouve que c'est juste une protection, mais c'est pas. Sinon, il y a la bonne vieille incompétence. C'était on pouvait pas faire autrement. Donc au début, ça ressemble même pas à des excuses, ça ressemble à des best practices. Donc par exemple, j'en ai un dernièrement. Ouais, donc on fait des infrastructures critiques et donc on fait ça dans le cloud parce qu'on peut pas faire on peut pas avoir notre host. Et donc ouais, pourquoi? Parce que c'est trop cher. Je comprends pas. Donc là, on a une cascade d'excuses. Et donc maintenant, ce que j'aimerais faire, ce que je propose, c'est qu'on va devenir un acteur legacy. Et donc, c'est pas quel. Est-ce que c'est mal ou. Mais plus, à quel point c'est. Quels sont tous les mauvais effets d'utiliser ça, d'intégrer ça dans un autre projet? Et on va développer une métrique. Et les gens ensuite vont essayer de. Ça va être super populaire par les porteurs de cravate, parce que tout le monde va essayer de tresser. C'est comme il y a déjà un exemple, le CVSS, qui est donc le Common Vulnerability Scoring System, et il y a plusieurs gens qui se sont mis ensemble et qui ont essayé de définir une métrique, et elle fonctionne dans l'industrie bien. Les gens sont vachement contents puisque ça fonctionne comme une analyse de risque historique. Comment est-ce qu'on y arrive? Est-ce que c'est facile à utiliser ou pas? Il faut, est-ce qu'il y a déjà avoir un compte? Ou est-ce que c'est via le réseau ou pas? Et qu'est-ce qu'on détruit? C'est, est-ce qu'on peut changer l'intégrité? On peut les changer, on peut les effacer. Et donc, il y a un score qui retombe derrière. Donc ça, c'est... Il nous faut ce genre de score. Mais c'est pas pour les bugs. Pour les bugs, c'est facile, mais ça a quand même des difficultés, mais c'est plus facile. Mais il nous faut ça, en fait, pour les management ou pour les développeurs. Et ce sont deux problèmes différents. Et donc, je pense que c'est plus simple d'aller aux développeurs puisque j'ai encore jamais réussi à taper, enfin, à ce que le management fonctionne comme ça. Alors que les développeurs ont plus essayé de faire quelque chose de bien. Voilà. Donc, c'est un problème multidimensionnel. Donc ça, c'est une dimension auquel j'ai pensé. Donc si un code, il y a toujours des problèmes, mais c'est de la recherche, en fait. On peut dire, on a trouvé 10 bugs, mais c'est quelqu'un qui n'était pas certain. Oui, effectivement, il y a quelque chose, mais on n'est pas forcément fixé tous les codes.
et on va peut-être regarder si le, code, le reste du code est propre ou pas. C'est peut-être un petit peu, c'est pas de chance quoi, c'est peut-être le seul endroit. Donc ce qu'il y a aussi sinon des essais d'analyse d'odeur du code ou de l'analyse statique, c'est ce que font beaucoup de compagnies. C'est pas forcément super, pas un gros succès. Et ils balancent 10 000 erreurs et ensuite on diminue la sensibilité du système jusqu'à ce qu'on puisse en parler. Et les gens regardent, les développeurs regardent et disent « Ouais, non, c'est que du faux positif. » Et ensuite, c'est bon, c'est fini. On laisse continuer, mais personne s'en occupe en fait. Mais personne ne fait rien. Et donc, je pense que c'est une dimension assez importante, mais on ne peut pas vraiment la lier à cette métrique. Je ne sais pas comment faire, du coup. Voilà, quelques exemples. J'essaie toujours d'avoir des exemples. Ça illustre mieux. Extrema. Qmail et Sendmail, c'est un bon exemple, ce sont tous les deux des MTA. Qmail a été fait avec l'objectif d'être un logiciel sûr et le logiciel est construit de la telle manière. Et là on voit encore jusqu'à aujourd'hui, ça existe depuis 1993, ça a été jusque la version 1.3, puis aucun patch n'a été publié. Mais je l'utilise encore aujourd'hui parce qu'il n'y a jamais de problème. C'est un logiciel qui est réellement terminé. D'un autre côté, ça veut dire qu'il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités. Voilà le spectre sur lequel on se trouve. D'un côté, il y a un tas de vieux codes que personne ne veut renouveler parce qu'il n'est pas payé. Et la plupart des gens qui étaient payés ou qui auraient pu l'être sont partis. Deuxième dimension, il y a encore du maintien. Dans l'open source, c'est bien visible. Parfois, c'est moins le cas parce que les patchs arrivent plus tard, c'est un petit peu plus espacé. On ne sait pas non plus comment est-ce qu'on peut l'estimer et le noter. Parfois, le software est juste merdique, parfois il est terminé. C'est très rare, mais il y a des exemples. Tekis va dans ce sens-là, un software de Donald Knuth. Il est terminé, parfois il y a encore des petits patchs, mais vraiment, en règle générale, il est terminé. LibJPEG est pareil. Ça a été fait par le groupe, par le Independent JPEG Group. Il n'y a pas de faille de sécurité. Et il n'est pas renouvelé. C'est pas forcément une mauvaise chose. Mais c'est un très bon logiciel, tout de même. Et si le software n'est jamais mis à jour, ça peut être une mauvaise chose. J'ai un client qui utilise un soft qui est sur GitHub et il y a 5 patchs à la suite. En fait, le truc, c'est qu'il y a suffisamment de versions que tu peux pas dire est-ce que mon logiciel est propre ou pas. Simplement parce que jusqu'à ce que j'ai fini mon analyse, il y a 29 nouvelles versions. Donc ça fonctionne pas. Sinon, la troisième, c'est le problème des dépendances, que tout le monde connaît. Donc, surtout en JavaScript, c'est un gros, gros problème qui sont déjà bien plantés. Donc, quelqu'un a appelé un module. Ou quelqu'un s'est aperçu que sur les dépendances transitives, c'était un peu partout en fait. Et lorsque je charge une dépendance et que ça a soi-même une dépendance, voilà, faut que tu comptes aussi ces dépendances. Et donc, il y a aussi nos cloud lock-in, où on ne voit même pas les dépendances. Elles sont complètement en dehors du contrôle. C'est une pipeline. Et ça va réduire, ça résout de façon complètement automatique sur tout l'internet. Et sinon, l'autre extrême, c'est Qmail qui n'a strictement aucune dépendance.
à part le C et tu as besoin d'un compilateur C et c'est tout. Là aussi, c'est un spectre. Il y a plusieurs dimensions, on continue. La qualité du code, c'est un petit peu comme de la sécurité, mais je voudrais bien le généraliser tout de même. Il y a une grosse corrélation entre le nombre de bugs et la mauvaise sécurité. Tous les problèmes de sécurité sont aussi un bug. S'il y a des bugs inconnus que personne n'a trouvé, c'est un problème de sécurité. C'est un bon signe pour nous dire que il y a de gros problèmes de sécurité. Comme je l'ai dit, la tendance va vers les statistiques en termes de sécurité. Et qu'est-ce que je peux faire s'il y a un statement dans une ligne de code qui me dit rien? C'est assez difficile à comprendre. On va simplement regarder ce qu'il y a comme, comme bugs qui sont connus et on va simplement extrapoler sur... On va regarder aussi tout ce qu'il y a comme les warnings. Donc, il y a très très peu de logiciels qui compilent sans aucun warning. Et c'est s'il y a des gens qui ont des pipelines qui l'utilisent, qui s'aperçoivent même pas du nombre de warnings qu'il y a dans leur compilation. C'est donc ne les jetez pas. C'est vachement important puisqu'il y a une corrélation. Et donc, non, c'est pas le pragma. La prochaine dimension, c'est l'attitude. Ça, c'est quelque chose qui m'est... Donc, il y avait, par exemple, EXIF 2. C'était pour l'analyse des métadonnées de caméra. Donc, qu'est-ce qu'il y avait comme temps d'exposition et autres. Et c'est pas trop super défini pour le standard. Et dans cette librairie, il y avait beaucoup, beaucoup de bugs. Et le bug, l'auteur a simplement dit, mais vous ne pouvez pas utiliser ça sur des données qui ne sont pas connues. Et en fait, lui, il n'avait pas pensé que ce serait utilisé sur n'importe quelle donnée, sauf que les autres l'ont utilisé sur n'importe quelle donnée, et du coup, ça faisait des trous de sécurité. Voilà. Et donc, il faudrait simplement écrire dessus pourquoi. Par exemple, non, c'est juste pour des fichiers qu'on connaît, ou alors c'est pas de la sécurité, ou alors c'est. Enfin, ou alors il y a aussi des gens qui font des choses, des features qui ressemblent à la sécurité, comme par exemple le Network Access, protection d'accès à une réseau. Et je voulais regarder ce que ça fait. Et c'est quoi votre garantie de sécurité? Et les gens disent, bah non. C'est pas de la sécurité, mais le nom est peut-être un petit peu peut prêter à confusion. Mais il est très possible qu'il y ait une différence d'impédance entre les gens qui font le projet et les gens qui veulent l'utiliser. Une incompréhension. Et sinon, il y a autre chose qui va être le software exploratif. Donc, c'est à peu près tout ce qu'il y a sur GitHub. C'est pas... sur GitHub, c'est à peu près tout. C'est pas forcément mal, hein. C'est la façon dont tu apprends. C'est comme ça que j'ai implémenté. Par contre, c'est peut-être pas le mieux. C'est important de communiquer ça. Ce code était exploratif. Il est peut-être suffisant. Il a suffisamment de tests en vraie vie. Mais la base, c'était exploratif. Ou alors, on a le scénario. La personne qui est partie, on a un bout de code, on ne sait pas qui l'a écrit, mais c'est quelqu'un qui n'écrit plus de code, parce que c'était un des fondateurs. Ou alors il est parti à la retraite, ou alors, bon, voilà, ça arrive aussi. Et ça, il faut aussi le communiquer, parce que les gens qui l'utilisent ne le savent pas. Ou alors, le mieux, c'est... Le mainteneur est aussi le développeur qui a le développeur et il veut faire la porter sur le marché parce que là vraiment il y a quelque chose derrière. Bon, ça me fait vraiment un petit peu. Je suis désolé que ce soit un aussi gros que c'est un thème si complexe, mais sixième dimension,
c'est les meilleures intentions du monde, les meilleures techniques qu'il y a, mais les spécifications, c'est de la merde. Donc, par exemple, XML avec les expansions, où est-ce qu'on où on peut changer En fait, avec l'entité d'extension, on peut déjà faire un DOS sur donc un denial of service sur tout ce qui est tous les fichiers XML, n'importe lequel, en étant conforme aux standards. Ça arrive régulièrement. C'est souvent que les standards sont pas top. Donc, on va pas regarder uniquement XML. Il y en a d'autres qui sont pas bien. Ou alors JSON qui a une grosse récursion. Et d'un coup, tous les parseurs explosent quand on fait beaucoup. Ou alors les messages Windows. Quand ça, c'est un truc qui était avant, quand il y avait un seul utilisateur, ou alors les bus messages. Donc, dans les installations sur le cloud, si on fait ça sur la base de données, c'est trop lent, donc on va utiliser un bus de messages. Et ensuite, quiconque a accès va pouvoir envoyer des messages dessus, faire du spoof. Et l'idée est déjà est mauvaise de base. Et même si je l'implémente de façon absolument superbe, c'est une mauvaise idée. La prochaine dimension, c'est la 7, c'est le verrouillage. C'est tant qu'on est là à donner des étiquettes, on va quand même le dire. C'est une librairie qui fait exactement ce que je veux, mais ça tourne dans le Amazon. Donc j'ai donné ma liberté, puisque j'ai verrouillé mes libertés. Si je veux avoir, si je veux utiliser cette librairie, il faut que j'utilise AVS, donc je ne peux plus utiliser autre chose. Ou alors le code crypto, où tout était optimisé pour Intel 32, mais si on utilisait autre chose comme MIPS ou ARM ou PowerPC, bah, ça ne fonctionnait pas bien. Et donc ça, c'est pas forcément dur, mais ça verrouille quand même un petit peu les choix. Puisqu'on y est, on peut aussi parler de l'empreinte au niveau des ressources. Alors, on essaie de trier, mais il faut qu'on ait que 10 éléments. Et puis, alors, il y a quelqu'un qui rajoute des éléments et tout explose. C'est aussi quelque chose qu'il faut changer. Et alors, attention, il ne s'agit pas seulement de CPU, mais il y a aussi d'autres choses. Parfois, il y a des choses qui utilisent trop de bandes passantes, ou alors ça sature le réseau. C'est difficile d'en faire une métrique. Une bonne métrique est toujours entre 0 et 10. Mais s'il faut en plus compter le problème des dépendances, eh bien là, l'échelle ne suffira plus. S'il faut par exemple se débarrasser du squaw problème, eh bien là aussi, la métrique ne suffira plus. Alors, j'ai réfléchi. Appelons-le legacy score. Score ne va pas. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Il y a d'autres métriques, d'autres approches pour tout le logiciel. Ça serait une note pour la totalité du logiciel, une sorte d'assurance que j'en aurai pour mon argent. On peut aussi faire ça par module, ou alors par module pour chaque gestionnaire ou pour chaque développeur. Et alors, je me suis dit, qu'est-ce qui a été fait? J'ai trouvé un standard, une norme qui date de 93, assez compacte. C'est le Geek Code, qui le connaît? C'est pour les plus âgés, hein. Alors, ça ressemblait à ça. Le format est un petit peu une parodie de PGP. L'idée est qu'on le décrit soi-même. GED, ça veut dire Geek Education. Alors voilà ce que les gens mettaient dans leur signature. On pouvait avoir une sorte d'idée de qui était le développeur. C'est un peu une sorte de Facebook pour développeurs. L'idée est déjà là. Donc j'ai essayé de m'en inspirer.
Et voilà ce que j'ai fait. En fait, c'est vraiment difficile à faire. C'est pour ça que je fais d'abord cet exposé en allemand, avant de l'internationaliser. L'idée serait qu'on mette ça en commentaire en tant qu'auteur dans une bibliothèque. Ça permettrait que les autres développeurs lisent ça et aient une idée de qui on est et des compétences qu'on a. Le pire serait qu'on ne le voit pas et que ce soit quelque part dans le cloud. Voilà la même chose pour le code source. Donc ça va de le code est public et vous pouvez le changer à j'ai perdu le code source. Bien sûr, je me suis un petit peu amusé, mais l'intention y est en tout cas. Je pense que je vais le mettre dans mon propre code. L'idée est que tout ça soit dans le code pour que tout le monde ait une idée. Alors, avec la norme de 93, il faut quand même le dire, personne ne l'a mis dans son code. Donc là, on a différentes choses à mettre. On peut dire que on sait ce qu'on fait. J'ai déjà fait ce genre de code de nombreuses fois. Il y a d'autres entrées où on peut dire quelqu'un m'a payé pour le faire ou je ne sais absolument pas ce que je suis en train de faire. Voilà pour la. La justesse du code. Là aussi, il s'agit de communiquer avec les gens qui essaieront de corriger ou d'étendre notre code. Ou alors, il n'y a pas du tout de backtracker. Là aussi, on a un exemple au tableau. Quel genre de conception est-ce qu'on a essayé de mettre dans le code? Eh bien, ça commence avec... on a le moins de privilèges. Puis alors, on saute à... nous validons nos inputs. Et alors, ça continue à... des conneries. Vous inquiétez pas, on a un antivirus. Ça serait vraiment bien, je trouve, ce genre d'étiquette sur le code, non? L'idée m'est venue quand j'ai acheté un jour des petites pilules de vitamines, parce que j'ai retourné le paquet et il y avait marqué, voilà ce qu'il y a, il y a telle vitamine qui sert à ça. Et en fait, je ne pouvais pas me faire avoir parce que je savais exactement ce que j'achetais. Il y avait par exemple marqué vitamine C, 5000% des apports journaliers conseillés. Je pense réellement que c'est un chemin qu'on pourrait emprunter pour améliorer notre manière d'approcher le code. La volatilité essaye de résoudre le problème de l'agilité. On peut vérifier si il existe un support. Personnellement, je trouve que ça serait vachement bien parce que si on prend pour exemple Vim, il y a des mises à jour tous les jours, mais on ne sait pas du tout ce qui a changé. C'est vraiment l'objectif optimal au final parce que on voit qu'il y a des patchs tous les jours, mais le logiciel n'est jamais cassé. Là, on a une liste avec les specs. Là aussi, le spectre est assez large. Souvent, les specs sont derrière un paywall, et donc parfois, il n'y en a même pas ou elle n'est pas visible.
Ou alors on peut payer les specs MPEG pour un petit millier d'euros pour pouvoir vérifier si le player fonctionne effectivement comme il devrait. Donc sinon on peut faire aussi, est-ce qu'on fait ça en version transitive? Là je suis pas certain, si vous avez des idées, dites-le-moi. Donc comment ça ressemble dans la pratique? Donc ça ressemble à peu près à ça. Donc les dimensions en fait sont des deux côtés, elles sont un peu subjectives. C'est-à-dire que pour l'un ou pour l'autre, c'est OK lorsqu'il n'a pas le source code, tant qu'il y a de la maintenance, par exemple Windows. Pour eux, c'est OK quand il n'y a pas le code source. Mais ce n'est pas un seul score, il y a plusieurs dimensions. C'est un petit peu difficile à lire, mais par exemple au Geekcode, on s'est aperçu que lorsqu'on fait plusieurs jours, on s'y habitue en fait. Et je pense que c'est une bonne idée. En fait, on a aussi besoin d'un joli domaine. Donc j'ai peut-être acheté quelque chose, mais Legacy Co, c'était Xing qui l'a déjà acheté, donc je ne pouvais plus. Tout comme legacy-co.de. Donc ça, c'était mon idée. C'est ma proposition. J'espère que maintenant, on aura beaucoup d'idées pour comment améliorer ça. Ou d'autres propositions qui n'ont pas de score, mais peut-être que c'est simplement une mauvaise idée. Mais je pense qu'en termes d'industrie, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et je pense que de façon réactive, ça ne fonctionne pas. Il faut que dans le process de développement, on prenne la décision et voir ce qu'on met comme entrée. Et donc, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un score sur lequel... Alors, pour que nous aussi, en tant que développeurs, on veuille s'améliorer avec. En fait, on veut avoir un meilleur score. Donc, parce que je ne suis pas encore au standard que j'aimerais avoir. Et sinon, on a des microphones dans la salle. Donc, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez aussi me les envoyer par mail. Merci. Dann können jetzt alle an die Mikrofone gehen, die noch Fragen haben. Wir haben direkt eine Frage aus dem Internet, bitte. Ja, gibt es Projekte im echten Leben? Y a-t-il des projets dans la vie réelle où la complexité n'a pas été approchée de la bonne manière? Et si oui, où? C'est très rare. Il y a quelques années, on a essayé de pousser à publier des logiciels et à les noter ensuite. Je faisais partie de ceux qui les notaient, mais au final, il y a d'autres projets qui écrivent de manière minimale ce qu'ils ont fait. Mais en fait, c'était pas minimal du tout. Par exemple, un clone de SystemD, moi, je suis un grand fan de Rust et pas SystemD. Mais Rust fait pas des petites binaries, il fait des espèces de gros monstres avec plein de nouvelles fonctionnalités. Mais le produit final est gigantesque. Mais malheureusement, le type qui l'a fait n'y peut rien. C'est comme ça. La complexité est subjective. Personnellement, j'ai toujours aimé les logiciels faits par Dan Bernstein. Mais c'est un petit domaine. Il n'y a pas énormément d'exemples de software simple et peu complexe. Microphone 10. Donc je croyais avoir quelqu'un. Quelqu'un? Non? Non? Bon. Donc microphone 2. Donc merci pour les idées intéressantes. Ma question c'est, est-ce que c'est pas trop volontaire et il faut simplement le faire de soi-même? Est-ce que c'est pas trop CDU en fait? Pourquoi est-ce que je dis pas que je suis M++? C'est effectivement un problème et je suis pas certain de comment on peut résoudre ce problème ou si on peut résoudre ce problème. Mais je pense que quand on commence, qu'il va y avoir une certaine pression de la communauté qui va empêcher les gens de mentir. Et mon expérience, c'est que les développeurs sont plus des bonnes personnes qui n'aiment pas faire de la merde. Personne ne veut mentir. Et
si on leur donne une chance de montrer que ce n'est pas encore fini, bah, ils vont le faire. Sauf ceux qui ne sont pas capables de le montrer, de décider. Mais ce n'est pas quelque chose que tu vas avoir avec le label. Ça va plus pour que les gens puissent penser. Donc, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire quand je prends une nouvelle dépendance? Est-ce que je veux vraiment le faire ou pas? Qu'ils y pensent. Et donc, il faut voir. Micro 6. C'est peut-être dans la même direction que celui d'avant, mais est-ce qu'on peut avoir une instance de droit un petit peu, je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui va accepter ça comme malus lorsqu'un développeur indien ne va pas accepter ça comme malus quand c'est écrit que c'est écrit en Inde. Ça aurait pu aussi être Massachusetts. Donc, le truc, c'est que le team, le but, c'est plus de montrer que quelqu'un l'a parce qu'il fallait avoir un mainteneur, en fait. Oui, bien sûr qu'il va y avoir des gens qui vont essayer de tricher, mais c'est pas ça. Faut essayer. Mon expérience, c'est que dans d'autres choses, les communautés aident à imposer des standards, en fait, et qui disent ça c'est important, il faut qu'on en parle. Et je pense que c'est un et que c'est quelque chose qui va montrer à quel point c'est volatile ou pas. Et super volatile, bah, c'est pas forcément volatile. Et qui permet de transporter une idée, en fait. Et est-ce que tu veux vraiment utiliser, proposer, est-ce que tu vraiment penses que tu sois plus conscient comment est-ce que tu fais ton projet? Microphone 1. Je viens de réfléchir à quelque chose. Est-ce que ce n'est pas exactement ce qu'il faudrait aussi que l'industrie de l'agroalimentaire devrait adopter également? Est-ce qu'on ne devrait pas aussi faire ce système que l'industrie agroalimentaire fait aussi avec les labels vert, jaune et rouge? Bah oui, mais le problème, c'est que là, il faut que tu fasses confiance à l'institution qui va distribuer ces différents labels. Qui va dire que c'est bien, moyen ou pas bien? Et au final, tu n'es pas plus avancé. Il y a un truc, il y a aussi l'idée qu'il faut laisser le choix au consommateur final. Alors, est-ce que c'est mieux ou pas? Je ne sais pas, mais il faut que ce score doit être ouvert et complètement transparent. C'est pour ça que je ne veux pas être arbitre dans cette histoire. Je pense que c'est quelque chose qui doit venir de la communauté. Et il faut que les gens qui l'utilisent aient l'impression de faire quelque chose de bien et de quelque chose pour la communauté. Donc, micro 2. Moi, il m'a manqué une dimension qui est un peu dans la maintenance, mais pas tout à fait. C'est, on est des gens qui font les choses nous-mêmes. La question, c'est est-ce que c'est facile de fixer des bugs? Est-ce que c'est ça, c'est une dimension qui est importante aussi, je pense. Comment c'est facile de pratiquer, de participer? J'ai essayé de faire ça avec j'ai le code et je peux le changer, mais celui qui gère le projet, en fait, va toujours dire oui, bien sûr que c'est facile, alors que tu peux toujours essayer. Bon. Micro 8. J'ai pas compris la question. C'est une question subjective. Je pense que c'est une erreur, mais il y a aussi des erreurs, il y a aussi des films, des sociétés qui disent que... Bon. Microphone 7. L'intention que la communauté va régler ce problème, et tu proposes ça comme problème plus ding. On va parler aussi de Heartbleed, et c'était un bug énorme. Avec une scale à 10, ça allait jusqu'à 11,
donc en termes de sévérité. Donc je ne pense pas que ce soit forcément une bonne idée. Enfin, je pense que tu montres à quel point c'est complexe, ce genre de standard, ou minimal, ou alors plusieurs facteurs, ou alors d'avoir gestion. Donc, oui, tu as raison, c'est une question de recherche. J'ai pas non plus de bonne réponse. La chose avec Heartbleed, on aurait pu fixer ça avec quels sont qu'est-ce qu'on en dit en fait. Moi j'ai vu ça sur une folie, sur un slide. Des gens qui, tu leur demandes, mais c'est quoi comme quelque chose qui ressemble à la sécurité quand tu le demandes, et t'as quoi comme garantie? Bah non, on en a pas. Voilà. Et il faut qu'on en parte de ça. Puisque de façon à ce que les gens sachent que ce qu'ils écrivent maintenant, c'est le legacy de demain. Et donc, non, ça vient pas du ciel. C'est toi qui l'écris, c'est toi, tu l'écris pour demain. Donc, encore une question de l'Internet. Dans ton schéma de notes, comment est-ce que ça peut marcher dans les projets qui n'ont plus du tout de développeurs parce qu'ils ne sont plus là? Eh bien, dans ce cas-là, l'absence du label est déjà une mauvaise chose. C'est une approche comme une autre. Je peux rien dire, hein, si personne n'a mis le label, peut-être que la communauté peut décider. Je ne sais pas. Microphone 4. Alors, ce sont des catégories quand même assez larges. Je ne sais pas si tu vas réussir à faire en sorte que les gros développeurs, les grandes entreprises adoptent ton système. Il faut aussi se poser la question de à qui s'adresse cela. Alors pour le moment, j'ai surtout pensé aux gens qui font ça comme hobby. Les grosses entreprises ont d'autres approches, ont d'autres contraintes. Dans une grande entreprise, c'est difficile de corriger des anciens bugs parce qu'au final, il y a une telle inertie dans le fonctionnement de l'entreprise que c'est tout à fait compréhensible qu'elles aient encore des milliers de bugs qui sont ouverts. Là, je crois que l'approche doit venir de la communauté open source. Et l'open source a une influence énorme sur le monde des grandes entreprises. On ne le voit peut-être pas depuis la communauté open source, mais en tout cas, dans le monde de l'entreprise, la plupart des gens s'inspirent de l'open source, utilisent des bibliothèques qui sont open source. L'open source a vraiment une énorme influence sur les grandes entreprises. Et si, en tant que communauté de l'open source, on réussit à